Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Fac, un incroyable talent. Aujourd'hui encore, vous allez découvrir une multitude d'artistes exceptionnels. Tout d'abord, une apnéiste qui tiendra notre jury en haleine pendant plusieurs minutes. Ensuite, nous aurons une performance de gymnastique. Et enfin, nous aurons le bonheur de découvrir un nouveau type de danse. Cette année, c'est vous qui voterez pour choisir l'incroyable talent de la fac. Et pour vous aider dans vos choix, nous avons réuni un jury d'experts. Grégorio, notre artiste protéiforme, gagnant de l'édition 2020. Et Clio, qui a affolé les plateformes de stream lors du second confinement avec son hit Ballet Masque. Jean-Michel, programmateur de la fête de la musique de Courtillé, près de Sablé-sur-Sarthe. Et Véronique Alou, qu'on ne vous présente plus. Nous allons maintenant découvrir la première candidate. Il s'agit d'une championne d'apnée. Incroyable, c'est hyper impressionnant. Tout à fait. Longue et belle performance. On avait vraiment l'impression d'être reconfinés. C'est un grand oui. Passons désormais au second numéro. Il s'agit d'un duo de gymnastes qui nous vient tout droit de l'EFSPE, l'école de formation des Sparring Partners en entreprise. C'est pas vraiment incroyable, mais c'est hyper bien fait. C'est assez original, c'est un grand oui. Pour finir, un numéro de danse collective qui peut nous rappeler les finalistes de l'an dernier qui nous avaient présenté une danse traditionnelle de Mayenne. On a créé l'asso il y a à peu près 2 ans et c'est avant tout une belle histoire d'amitié. Mais pas que d'amitié. On cherchait pas vraiment à se démarquer, on voulait plutôt se faire plaisir. C'est vrai, moi je viens de Corrèze et j'avais vraiment envie de reconnecter avec mes racines. Puis bah c'est quand on a croisé Max et Karima, c'est là où en fait on a eu le déclic. On a monté l'asso il y a 2 ans de ça, et puis c'est avant tout une belle histoire d'amitié. Oh, et pas un peu plus que de l'amitié. On cherchait pas vraiment à se démarquer d'ailleurs. Oui c'est vrai, moi je viens d'Ardèche et j'avais vraiment besoin de me reconnecter avec mes racines. Et puis quand on a rencontré Flavien et Mélina, bah... on a eu le déclic. Là aussi, cela se danse avec des claquettes, mais il s'agit de claquettes ASMR. Je vais demander au public de ne pas applaudir. C'est à vous de décider. Pour cela, il vous suffit de voter pour votre numéro préféré via le sondage situé sous cette vidéo. Pour notre apnéiste, tapez « apnée ». Pour les gymnastes, tapez « gymnaste ». Pour les claquettes, tapez « claquette ». À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne soirée.